Bienvenue dans ce talk show Génération chrétienne, défis et foi. Nous sommes actuellement dans le cadre de la conférence Aphésis. Et nous allons ensemble avec la jeunesse de CIV Bordeaux, nous allons parler ensemble sur les défis qui minent la jeunesse et surtout la génération Z. Et nous avons avec nous plusieurs intervenants. Nous avons Francky à ma droite, Priscilla à ma gauche, et vous voyez également des jeunes, Azania et également Néhémie Roirel. Bien sûr, ces jeunes vont tourner. Il y aura d'autres personnes à vous présenter lors de ce talk show et on va vraiment parler ensemble de plusieurs choses. Et vous allez voir que vraiment, ce sont des thèmes dans lesquels vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, je vais simplement donner la parole à Francky et à Priscilla pour qu'ils puissent se présenter. Et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Priscilla, honneur aux femmes. Right. Bonsoir à tous. Merci, Pasteur Mike. Je suis Priscilla, 33 ans, maman de deux enfants et membre de l'équipe dirigeante de la jeunesse. Et je me fais un plaisir d'être là ce soir pour partager ce thème avec vous. Et donc, moi, c'est Francky. Je suis un des responsables de la jeunesse également. Je suis père d'un enfant et dans le monde séculier, je suis CSM, Customer Success Manager. Je suis informaticien, en fait, en version simple. Tout à l'heure, quand tu as présenté l'émission, tu as parlé de génération, je pense, si je ne me trompe pas. Donc je vais juste mettre un petit cadre à tout cela, comme ça on va comprendre un peu ce qu'on entend par génération Z, me semble-t-il. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la société, on a plus ou moins catégorisé, ou on va dire organisé les générations en les nommant, en donnant une lettre associée à cette génération. D'accord ? Donc la première génération, c'est la génération silencieuse. On la situe entre 1900 et 1944, c'est-à-dire ce sont les personnes qui sont nées à cette période-là, et c'est cette génération qu'on va appeler la génération silencieuse. Ensuite, on a la génération baby boomers, entre 1945 et 1963. Donc ce sont les personnes qui sont nées à cette période-là qu'on va dire appartenir à la génération baby boomer. Ensuite, on a la génération X. Il s'agit des personnes qui sont nées entre 1964 et 1978. Et ensuite, on a la génération Y. Il s'agit là des personnes qui sont nées entre 1979 et 1994. Donc, je crois qu'il y en a qui commencent à se classer, à se placer quelque part. Et ensuite, on a la génération Z. Et là, qui concerne les personnes qui sont nées entre 1995 et 2010. Donc, il y en a là beaucoup aussi qui s'y retrouvent. Voire, t'es dans quelle génération ? La génération Z, du coup, la génération Z. Voilà. Voilà. Donc, on parle des défis que cette génération Z rencontre. Ouais, voilà. Ok. Néhémie, est-ce que tu veux bien commencer ? On va commencer on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, et ensuite on arrivera avec Azania. On va continuer avec elle. Le problème numéro un, la sexualité et la foi. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et on sait qu'en étant jeune, il y a plein de choses qui changent. Depuis l'âge de 13 ans à peu près, notre corps change, les hormones sont en ébullition et nous ressentons des choses. Et comme les gens disent, il y a les papillons dans le ventre. Si c'est ton cas, tu peux dire dans le chat « papillon ». Donc aujourd'hui, nous avons donc le frère Warrell qui va partager avec nous un court témoignage sur ce qu'il a vécu et puis surtout nous dire comment il a pu assumer sa foi face à ce défi de la sexualité et surtout de la pureté sexuelle. Du coup, bonsoir à tous. Moi, c'est Warrell, j'ai 20 ans et je suis étudiant en communication. Donc, je suis un jeune qui a grandi dans la foi. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai vécu une enfance assez joyeuse comme tout le monde. Et effectivement, comme le pasteur Michael le disait, j'ai vécu une période dans ma vie où j'ai pas été attiré, mais où j'ai vécu, j'ai ressenti des désirs comme tous les autres jeunes de mon âge, malgré le fait que j'étais chrétien. Donc pour dire les choses, j'ai vécu la période où j'ai eu l'envie d'avoir une copine comme les jeunes de mon âge et d'avoir des rapports avec la personne. Et si je peux, en termes de foi, ce qui m'a beaucoup sauvé,
c'est vraiment la cellule familiale dans laquelle j'étais. J'ai grandi qu'avec ma mère et ce qui a fait que j'étais bien conseillé. Amen. Et il n'y avait pas de tabou à en parler. Et franchement, je me demande encore où j'ai eu le courage, mais j'en avais parlé à ma maman. Et c'est vraiment elle qui m'a aidé à traverser cette période pour que je ne puisse pas déraper dans des déviations pas bien pour moi. Ok. Tu nous as dit que ce qui t'a sauvé, c'est la cellule familiale. Est-ce que dans ton éducation, ta maman t'a pris à part pour te parler des relations sexuelles? Comment ça s'est passé? Alors, pas du tout. Voici pourquoi je disais tout à l'heure que je ne sais pas quel courage j'ai eu. C'était très tabou. C'est-à-dire que nous, dans notre famille, même dire que tu aimais quelqu'un, on allait te bastonner et tout. Il ne fallait pas en parler. Mais je ne sais pas. Je pense que le fait d'avoir grandi, je dis souvent à mes amis que j'ai eu une enfance assez différente des autres. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 17 ans, les relations amoureuses ne m'intéressaient pas. Donc, je me suis choqué moi-même de ressentir certaines choses qui étaient anormales pour moi. Et parce que je les vivais, je me suis dit non, il faut que j'en parle à la seule personne qui est avec moi et à qui je peux en parler, donc à ma mère. Donc non, jamais ma mère ne m'a pris pour me parler de tout ce qui est en rapport avec la sexualité auparavant. Waouh. Tu veux rebondir par rapport moi, à ça? Moi, j'ai une question pour Warel. I got a question for you. On dit que le premier défi ici, c'est la sexualité et la foi. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre la sexualité en tant que jeune, de la génération Z, et la foi chrétienne? Je ne dirais pas forcément qu'il y a une incompatibilité, parce que nous sommes chrétiens mais à la fois humains, mais que dans la sexualité, effectivement, il y a des incompatibilités dans la façon de la vivre lorsqu'on est chrétien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre notre sexualité en tant que chrétien de la même manière que des personnes qui ne le sont pas la vivent. Donc, c'était le principal problème auquel j'ai été confronté. Right. Merci pour la réponse. Ok. Alors, on va passer à Azania qui va nous raconter une partie de son témoignage par rapport à ce sujet. Et puis, je vais laisser Priscilla aussi la questionner. Azania, dis-moi, toi aussi, tu appartiens à la génération Z? Oui, je suis une 2004. Ah. J'ai 20 ans. Ok. On t'écoute? Donc bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être ici pour témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Pareil comme Morel, j'ai grandi dans une famille, c'était une famille de religion, qui appartenait à une religion, donc en tant que témoin de Jéhovah. Donc j'ai été élevée par ma mère seule, très stricte, donc voilà, elle m'avait déjà éduquée seule, donc j'avais vraiment des restrictions. Je n'ai pas grandi avec mon père et très vite à l'adolescence, ça s'est fait sentir dans le sens où je cherchais en fait un réconfort, quelque chose qui pouvait me combler en fait tout simplement parce que j'avais un vide, je cherchais mon identité. Et en tant que Guyanaise qui n'est pas grandie sur son sol natal, j'ai cherché également mon identité en tant que Guyanaise. Donc j'ai commencé à fréquenter des personnes qui s'amusaient dans les soirées, des personnes qui aimaient cette vibe-là. Et du coup, j'étais très tôt confrontée à la sexualité, en fait, le fait de se dénuder, le fait d'appartenir à un groupe en faisant des actions, en faisant partie d'une communauté, tout simplement. Et j'ai toujours été préservée par le Seigneur, il m'a toujours gardée, en fait, il m'a épargné certaines choses, et je lui remercie encore aujourd'hui. Et ce que je peux dire par rapport à ça, par rapport à la foi et la sexualité aussi, j'avais une éducation, mais l'éducation ne fait pas tout, en fait. J'avais vraiment au fond de moi quelque chose j'avais une crainte, en fait. Je pense que le Seigneur travaillait déjà en moi, même si je ne connaissais pas à ce moment-là le Seigneur, par rapport à la sexualité. Et je n'ai jamais franchi le pas. Et le fait que je disais aux autres que moi, je ne fais pas ci, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne fornique pas, ça les choquait. Mais au fond de moi, j'avais une ferme conviction qu'il fallait que je reste comme ça. Mais je ne savais pas que c'était l'abstinence à ce moment-là. Et c'est lorsque j'ai rencontré le Seigneur que j'ai su que c'était l'abstinence et qu'il va garder vraiment ce trésor que le Seigneur nous garde. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que des fois, en tant que jeune, on passe par des moments où on est confronté dans les pensées à la sexualité. On se dit, mais moi, je suis jeune, j'ai tel âge, l'âge avance, j'ai toujours pas eu de relation sexuelle. Comment est-ce que je vais avertir mon mari? Comment est-ce que je vais avertir, les personnes qui sont dans mon entourage et qui l'ont déjà fait, par exemple? Comment est-ce que je vais faire face à ça? Et le Seigneur m'a vraiment montré par ses écritures et par les pasteurs, par l'Église, que j'ai pu fréquenter comment vivre en fait ma spiritualité et comment demander au Seigneur la sagesse dans ma jeunesse. Ok, merci beaucoup. Priscilla. Amen. C'est vraiment encourageant ton témoignage. Et,
J'apprécie parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. En tant que jeune fille, hein, j'ai pu passer par des choses un peu similaires, cette quête d'identité, etc. Moi, j'avais une question à te poser par rapport à ton témoignage. Est-ce que le fait que tu avais déjà cette valeur profonde, sans même connaître le Seigneur, n'a pas fait que parfois tu as pu te sentir un peu en marge, parce que parallèlement, tu avais peut-être un entourage, des fréquentations qui n'étaient peut-être pas aussi sages, entre guillemets, que toi. Mais est-ce que tu as pu parfois avoir ce sentiment d'être en marge, te sentir peut-être un peu ringarde, entre guillemets, du fait que toi, tu avais fait le choix de te préserver? J'ai eu quelques fois ce sentiment-là, mais c'est vite passé parce que j'avais vraiment une crainte, j'avais peur. J'avais vraiment... je sais pas, j'avais peur, je savais que c'était pas la bonne chose si je franchissais ce cap dans la sexualité. Et je connaissais pas le monde des esprits encore, donc j'avais pas l'aspect des liens d'âme, tout ça, c'est ça, je connaissais pas, mais je savais qu'il y avait quelque chose derrière et que c'était grave. Et voilà. Et aussi par rapport à ma famille, pas beaucoup de femmes étaient mariées, et plein de choses, et je réfléchissais aussi à ma vie très jeune, en fait, j'étais très mature. Donc, je voulais me marier. Voilà. Okay. C'est très bien. C'est vraiment un beau témoignage que tu partages là, parce que moi, pour faire bref, j'ai eu un passé avant d'être dans le Seigneur et je n'ai pas eu cette grâce ni cette sagesse-là de ne pas franchir ce cap. Et c'est vraiment important de le dire parce que ça va encourager aussi certains jeunes à se dire que ce plaisir ou cette quête qu'on peut faire au travers de la sexualité, au travers d'expériences diverses que le monde peut nous offrir comme étant fun, comme étant normal, ce plaisir et cette satisfaction n'est que éphémère. Ouais. Et ça, je l'ai compris bien après, quand j'ai rencontré le Seigneur, parce que moi, j'ai pas eu la grâce comme Warren, par exemple, de grandir dans une famille où on parlait très librement de ce sujet. J'ai grandi dans une famille où, bon, très vite, mes parents se sont séparés, donc j'étais un petit peu ballottée par beaucoup de choses, beaucoup de blessures intérieures, etc. Et je recherchais cette paix, je recherchais une identité, je recherchais un réconfort, justement, dans ces expériences-là. Mais j'ai compris que je valais plus que ça et que me préserver m'apporterait bien plus en termes de gains que ce que je pouvais gagner dans le monde. Et c'est important d'en parler. Si on n'a pas la possibilité de le faire dans la cellule familiale, l'Église nous offre et vous offre, à vous tous qui êtes jeunes, une possibilité et une oreille qui vous est tendue, et il faut vraiment la saisir. Et c'est vraiment un point sur lequel j'insiste. On fait de ce sujet quelque chose de très tabou, on le mystifie beaucoup, mais en tant qu'équipe dirigeante que nous sommes, sentez-vous libre, en fait. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien qui va être pour nous inconcevable. Donc vraiment, n'ayez aucune crainte et libérez-vous justement de ça, en fait. Amen. Amen. Tu voulais rajouter quelque chose? Ok, c'est très important ce que tu dis, Priscilla. Et je sais que parmi vous, peut-être, vous avez des questions. Là, on a eu l'occasion d'avoir deux témoignages en plus de celui de Priscilla. Je pense que les défis sexuels, comme on le disait, il y a la pression sociale, il y a la pression des amis, il y a les pressions, en fait, même des parents, des fois, parents qui sont non chrétiens, qui disent, mais comment ça, t'es pas encore marié, toi, t'es quoi, t'es homosexuel, toi, t'es quoi, tu veux te marier, voilà. Et on a eu des cas comme ça à l'église. Il y a la pression des parents, c'est-à-dire que même ton parent te dit, va connaître les femmes. Toi, t'es à l'église, hein, tu dis, Seigneur, je me retiens, je me purifie, mais ton père, ta mère va te dire, mais pourquoi, mais va, connais les femmes, essaye, c'est bon d'essayer. Donc, t'as même la permission de ta mère, de ton père. Et là, tu es un peu, tu sais pas quoi faire. Et puis, l'ennemi vient et te dit, honore ton père, ta mère. Donc, vas-y. Donc, j'aimerais vous poser la question à vous. Vous avez la parole, ça c'est vraiment le moment, la parole du public. Certainement, vous avez des questions précises. Il n'y a pas de tabou. Donc, vraiment, posez. On va recueillir dans le public une ou deux questions liées donc à la pureté sexuelle. Dans la pureté sexuelle, c'est vrai qu'il y a les tensions, il y a les pressions, il y a la pornographie, il y a la masturbation, il y a le flirt, il y a le copinage, il y a on est amis, vas-y, il n'y a pas de problème, on découvre notre corps. Les relations platoniques. Voilà. Et puis, au-delà de tout ça, il y a aussi les sentiments.
Des fois, on va faire les choses parce qu'on aime l'autre. On n'a pas envie, on veut se garder pur. Mais dans l'Église, nous ne sommes pas tous, je ne vais pas dire tous saints, nous sommes tous saints. C'est le Seigneur qui nous a sanctifiés. Mais je veux dire qu'on n'est pas au même niveau de la maturité. Et souvent, dans l'Église, on peut parler justement des sujets. « Ah, mais tiens, tu sais, j'ai des problèmes dans la sexualité. Ah oui, toi aussi ?» Puis tu parles à un frère. « Ah ben tiens, on va prier ensemble. Vous retrouvez un jour à prier. Le deuxième jour, vous êtes dans le lit. » Non, mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Donc, on vous donne la parole. Avez-vous des questions à nous poser? Vous avez besoin de solutions? Vous voulez savoir quelque chose que vous ne savez pas encore? Posez-les. On prend deux questions. Oui, deux questions dans le public. Allez-y. Yeah. Levez la main, on vous donne le micro, vous posez votre question. Donc, on a dit, hein, dans l'Église, ici, ce n'est pas tabou. Il faut montrer au public, non, ici, on en parle, quoi. Ah, voilà, le micro circule. Il y a une question qui va être posée. Alors, ma question, c'est par rapport à quelqu'un qui est déjà rentré dans une relation de couple au passé et qui en sort pour suivre la vie chrétienne. Il veut suivre Christ. Mais cependant, il a eu malheureusement des rapports sexuels au passé. Et maintenant qu'il connaît Christ, il veut arrêter, mais il se sent quand même lié. Donc, il continue ses pratiques, sachant qu'il veut s'arrêter ou bien il peut y avoir la masturbation ou bien d'autres liens. Donc ma question, c'est par rapport à quelqu'un comme ça, comment il s'arrête? Oui, basta. Naomi, est-ce que tu peux répondre? Tu souhaites? Est-ce que tu as un élément de réponse? Voilà. Vas-y. Du coup, je voulais continuer mon propos par rapport à mon témoignage, mais j'ai pas eu le temps. Ben, malgré le fait que j'ai parlé du coup à ma maman déjà, mais il est arrivé qu'effectivement je suis tombé, et je le dis souvent à certains amis avec qui j'ai été déçu sincèrement, parce que je me suis dit vraiment juste pour ça, et jusqu'à aujourd'hui j'ai vraiment regretté, surtout quand j'ai connu beaucoup le Seigneur, pourquoi en fait j'ai vraiment, et jusqu'à aujourd'hui j'ai su dégoût. Et par rapport à, et après ça, effectivement moi je suis tombé réellement dans la pornographie, malheureusement pour moi et pour ma vie spirituelle. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est lors d'un séminaire ici qu'on avait fait à Erjec, c'était même pas un séminaire, c'était une réunion où on parlait en fait des défis de la sexualité et des liens qu'on avait et tout ça. Et après ça, j'ai su en fait que ben, la personne avec qui malheureusement j'étais tombé, c'est par elle que j'avais chopé cette manie-là, si je peux le dire comme ça. Et moi, c'est la prière. C'est vraiment la prière. Vraiment, quand je suis arrivé en France, j'ai expérimenté mes plus beaux moments avec le Seigneur. Dans la solitude, tous les mauvais trucs que j'avais en moi sont sortis, mais c'est là où aussi j'ai appris réellement à les surmonter. Pour me libérer de la pornographie, j'ai prié, j'ai arrêté de regarder par exemple Netflix. Ce sont des trucs pratiques qu'on m'avait demandé de faire, d'arrêter de passer mon temps à écouter la louange. Comme j'aime chanter, je le faisais incessamment, et moi c'est vraiment ça quoi. J'ai pas eu d'autre, c'est vraiment la prière, la lecture de la parole. Je me suis trouvé réellement à ne plus m'endormir devant la parole de Dieu, mais à vraiment apprécier, à arrêter. Aujourd'hui même, je ne peux plus regarder Netflix parce que je sais ce à quoi ça peut m'amener. C'est-à-dire que si je regarde un film Netflix où il y a des scènes, je sais où ça peut m'amener, et je me suis résolu à me priver de ça. Et je vis très bien ma vie aujourd'hui sans ça, parce que la pureté, franchement, ça n'a pas le prix. Merci Warren. Merci. Ouais. Et Warren me fait penser à un texte de la Bible qui dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu rentres borne dans le royaume des cieux que rentrer avec tes deux yeux en enfer, en fait. Voilà. Donc tu me fais penser à ce texte, et vraiment gloire à Dieu pour ce qui se passe dans ta vie. Et on bénit le Seigneur pour ça. Zania, est-ce que tu veux ajouter un élément de réponse? Mais pareil, par rapport à mon témoignage, malgré que j'étais dans l'abstinence, que je voulais me préserver de toutes ces choses, je suis quand même. J'ai eu à avoir un ex, et cet ex m'a tout appris, hein. Il m'a tout montré, tout, etc. Même quand j'étais petite, je regardais les films un peu sur la télé, là, quand ça passait sur D17, ça m'intéressait, donc je regardais pour reproduire plus tard quand je serais grande et tout.
Et du coup, mon ex, il a eu énormément d'influence sur moi parce que tout à l'heure, on parlait de sentiments. Et les sentiments, effectivement, ce sont des choses qui te mentent lorsque tu ne connais vraiment pas l'état d'âme de la personne. Et plus j'avançais, en fait, avec Christ, et plus il me montrait, en fait, l'état d'âme de mon ex, de comment il était, de pourquoi est-ce qu'il se comportait comme ça avec moi, pourquoi, en fait, il passait par toutes ces choses et pourquoi il ressentait le besoin, en fait, de forniquer hein, avec moi et tout, etc. Moi, je refusais. À chaque fois, je refusais, mais j'étais à ça. J'étais vraiment à ça de tomber et toutes ces choses. C'est vraiment la grâce de Dieu en fait, qui m'a épargné. On va passer à la deuxième question du public. Est-ce que, public, vous avez une deuxième question? Yes, est-ce qu'il y a une deuxième question? Sinon, pendant qu'on est en train de réfléchir à la deuxième question, Warren voulait rajouter quelque chose rapidement sur ce qu'il avait dit. Du coup, par rapport à la question, je voulais dire aussi d'en parler. C'est important de parler à vos responsables des soucis que vous vivez, surtout au niveau de la sexualité. Moi, je sais qu'un jour, la CSP Sarah, la femme du pasteur Miguel Lannoy qui est présente, on était avec elle à une réunion. Elle m'expliquait que c'était important de prier, par exemple, pour son téléphone, parce que plusieurs d'entre nous, souvent, lorsque on fait face au défi de la pornographie, ce sont nos téléphones qui nous poussent à pécher. Et elle me disait qu'il n'était pas normal qu'une chose pour laquelle on a dépensé notre argent, que c'était notre propre décision, puisse nous emmener à pécher contre le Seigneur et qu'il était important de présenter, en fait, que ce soit nos ordinateurs, nos télés et même nos lieux d'habitation au Seigneur, pour vraiment de dire au Seigneur, voici la chambre là où je te prie, voici le téléphone dans lequel j'ai même la Bible, il ne peut pas être encore un outil pour moi pour pécher encore contre toi. Donc c'est important de parler à vos responsables et aux personnes autour de vous qui sont capables de vous aider à surmonter cette période difficile en tant que chrétien. Donc si je récapitule, est-ce qu'il y a une deuxième question dans le public? Non, il n'y a pas de deuxième question. Ok. Donc si je récapitule, j'ai entendu Azania, j'ai entendu Warel, et puis les autres, vous allez réagir peut-être. Donc pour répondre à la question qui a été posée, moi j'ai un texte que j'affectionne beaucoup, le psaume 119 versets 9 à 11. C'est l'un des textes, l'un des chapitres les plus longs de la Bible. C'est David qui l'a écrit. Et la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole, c'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Et dans les témoignages de chacun, j'ai entendu cela en fait. Alors, cette personne a vraiment besoin d'être délivrée, de sortir de tout son passé, il y a une chose qu'il faut réaliser, qu'il faut comprendre, c'est que pour rendre pur le sentier d'un jeune, pour rendre pur le sentier de quelqu'un, il faut impérativement plonger ses regards dans la loi parfaite de l'Éternel. Il faut la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'antidote, en fait, à cela. La Bible dit que les Écritures sont vivantes. Elles ont été écrites pour... Donc, c'est l'élément, j'ai envie de dire, fondamental. C'est comme un bébé, si vous lui privez du lait maternel, il ne grandit pas. C'est le même principe, c'est la même chose. C'est le premier élément que moi je retiens, que je mets dans le résumé. La deuxième chose, c'est la prière. La prière est le moyen par lequel on peut s'adresser à Dieu, on peut s'adresser au monde spirituel, on peut aller chercher des choses dont on n'a pas forcément connaissance d'un point de vue naturel. Donc ça, c'est le deuxième élément que je retiens. Et puis, le troisième élément que moi je vais ajouter, c'est que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il faut réaliser son identité. C'est important de réaliser son identité. Pourquoi? Parce qu'en général, le diable vient nous mentir. C'est le concepteur du mensonge. Il y en a qui ont conçu des voitures. Aujourd'hui, on a des voitures électriques. Il y a des ingénieurs qui conçoivent les voitures électriques. Lui, il est le concepteur du mensonge. Ça dit que des choses qui n'ont jamais existé dans le mensonge, c'est lui qui crée ça. Et le diable est l'ennemi numéro un des personnes qui se sont converties, des chrétiens. Et l'une de ses armes, c'est le mensonge. Et il sera toujours en train de mentir à quelqu'un en faisant référence à son passé, en faisant référence à ce qu'il a vécu. Donc c'est important de réaliser son identité en Christ. C'est très, très, très important de réaliser son identité en Christ, de réaliser qu'on est une nouvelle créature. Que la personne qui a eu des rapports sexuels hier, qui vivait à 180 à l'heure alors qu'on roule à 50 à l'heure, c'est important qu'elle comprenne qu'en fait, la personne, elle est morte en Christ. Elle n'existe plus. C'est une nouvelle personne qui est là. Et quand on réalise ça, c'est le premier pas. C'est le premier déclic vers la délivrance de cette personne. Ok? Voilà. Ok. On avance un peu dans les défis. C'est passionnant. Lorsqu'on parle de la sexualité, ça nous touche directement.
c'est-à-dire que c'est le corps. Alors forcément, ça nous touche directement et on pourrait en parler. Mais vraiment, le conseil que je vous donne à la jeunesse, à vous qui nous regardez, si vous avez une église, vous avez des pasteurs, allez-y les voir, discutez, il n'y a rien de tabou. Il n'y a que des solutions qu'on peut vous donner, vous aider. Et vous-même, la jeunesse, venez nous voir, parlez-en, d'accord? Parlez-en. Et les hommes, des femmes, ok? Que les femmes aillent avec les femmes, les hommes avec les hommes, parlez-en. De toute façon, même si vous ne parlez pas, nous, on sait que vous vivez ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un problème récurrent chez la jeunesse. Si tu n'es pas en proie à ces problèmes, c'est que tu es une exception qui confirme la règle, que tout le monde est soumis à cela. Donc, on sait par quoi vous passez, on a été jeunes aussi. Nous allons toucher le deuxième problème, manque de concentration et spiritualité. Et du coup, j'ai invité Henriette à venir nous rejoindre à la place de Azania. Et j'ai invité aussi Nathan à venir nous rejoindre à la place de Néhémie. Est-ce qu'on peut les encourager bien fort pour qu'ils quittent le plateau? Tu peux venir, Nathan? Ok, super. Donc, nous avons Nathan et Henriette qui viennent donc tout simplement. Ils sont là pour témoigner sur le deuxième sujet, c'est-à-dire le manque de concentration et la spiritualité. Tout simplement, on va voir ensemble, en fait, comment cultiver une vie spirituelle enrichissante malgré les distractions modernes. Tout à l'heure, le frère Nelly a parlé de Netflix, mais Netflix n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Et il y a plein d'autres distractions qui sont modernes. C'est-à-dire que le diable, il suit le courant, d'accord ? Il va toujours vous tenter sur les mêmes problèmes, et bien par différents moyens. Donc, je vais simplement donner la parole à Henriette. Voilà, là, pour pouvoir tout simplement témoigner par rapport à ce sujet-là. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Henriette. J'ai 20 ans et je suis en étude du coup de marketing digital et communication. Donc moi, par rapport à ce sujet-là, la chose que je pourrais dire le plus qui a touché spécialement ma vie par rapport aux distractions, c'est notamment par rapport à... Warren a parlé de Netflix tout à l'heure. Moi, j'aimerais parler d'un autre qui, de base, est conçu pour quelque chose de bien. Je veux parler de Spotify. Il faut savoir que pour moi, c'était une source de distraction parce que ça me poussait à écouter du coup des chants du monde. J'en parlais il y a quelques jours, un ami à moi, et je disais, j'avais deux playlists. Une playlist avec la louange et une playlist avec les musiques du monde. Ce qui faisait que je jonglais un petit peu entre les deux. C'est que je pouvais passer à écouter une musique de Dieu et je repassais à écouter une musique du monde. Et franchement, c'était source de distraction parce que tu te rends compte que tu te retrouves à vouloir mener une vie correcte avec le Seigneur, mais entre-temps, tu ne peux pas te passer de ces choses-là parce que tu te dis, mais si j'enlève cette playlist-là, je ne serai plus au courant des nouvelles musiques qui sont sorties, je ne serai plus un petit peu à la mode et je ne suivrai plus les tendances. Et franchement, ça crée une distraction dans sa relation avec Dieu parce que tu ne peux pas te concentrer à 100% au Seigneur, en fait. Tu es vraiment mitigé entre les deux et en fait, on ne se rend pas compte de vraiment la force de la musique mondaine. C'est-à-dire que tu commences à écouter un chant, ça te fait penser, par exemple, tu commences à écouter un chant d'amour, ça te fait penser à l'amour. Tu as tendance à écouter des films, à regarder des films d'amour où il y a des scènes pas forcément... voilà. Et du coup, ce qui emmène vraiment au péché pour moi, en fait, c'est processus. Tu commences par un truc et ça va venir un autre truc. Merci beaucoup, Henriette. Ça, tu as une petite question pour elle? Oui, moi j'ai une petite question parce que c'était vraiment une dualité que tu avais entre les choses qui sont pures et celles qui ne le sont pas. Quel a été le déclic pour toi afin de définitivement te débarrasser de ça? Le déclic pour moi, c'était il y a quelques jours. J'étais en train de scroller sur mon téléphone et je vois quelqu'un que je connais, il avait mis en statut certains chrétiens qui sont chrétiens mais qui ne sont pas en Christ. Je me suis sentie jugée. Je me suis vraiment sentie jugée. Et
il y avait plusieurs listes comme ça. Il parlait de plusieurs choses qui faisaient que des gens, en fait, sont chrétiens parce qu'ils viennent à l'église tout le temps, mais ils ne sont pas vraiment en Christ. Et il parlait justement de ce cas-là, de personnes qui avaient une playlist de musique, enfin de louanges, et une playlist de musique du monde. Et je me suis dit, mais il parle de moi. Du coup, quand il a dit ça, je me suis de suite sentie jugée et j'ai direct supprimé la playlist. C'était un parle-tonton d'une manière, un tonton d'une autre. Vraiment, des fois, on cloisonne le mode de communication du Seigneur, mais même au travers d'une publication, il t'a interpellé, et ça c'est top. Mais c'est vraiment bien ce que tu dis, parce que comme pour toutes les luttes, tout part d'une décision. Je pense que vraiment, à un moment donné, il faut soi-même prendre la ferme décision de dire « stop, j'arrête ». Parce que sinon, on continuera à lutter. Et à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Parce que il est certain que quand on mène cette vie-là un petit peu entre deux chaises, on manque de paix. Clairement, ce mode de vie-là nous trouble. Parce que quelque part, le Saint-Esprit nous parle et nous interpelle sur notre conduite, sur les choses que l'on cultive, que l'on affectionne, que l'on chérit dans notre vie. On ne peut pas dire que le Saint-Esprit reste silencieux face à ça. D'une manière ou d'une autre, il nous interpelle et ça vole notre paix. Et clairement, cette ferme décision nous assure la paix et elle est véritable en fait. Amen, amen. On va faire intervenir Nathan qui va nous partager son témoignage, en tout cas une partie de son témoignage. Donc bonjour à tous, moi c'est Nathan. Et au niveau de la distraction, mon problème c'était surtout avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je m'étais fermé un peu du temps, on va dire, avec les tâches que je devais faire. Et je voyais que j'arrivais jamais à les terminer, alors qu'en théorie, tout devait fonctionner. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je perds autant de temps dans ma journée? Du coup, j'ai cherché. Et à un moment, je me dis, je passe beaucoup de temps sur Instagram quand même, beaucoup de temps sur Twitter. Et je me dis, oui, mais il faut que je parle aux gens, donc je continue. Et après, un jour, je regarde le temps d'écran, je vois 10 heures sur Instagram aujourd'hui, je t'en ai. Du coup, j'ai supprimé l'application. Et c'était aussi le cas avec Twitter. Et surtout, le problème avec Twitter, c'est que les gens, ils ont vraiment la haine sur ce réseau. Et en fait, à force d'être tout le temps exposé à ça, on finit par laisser la mentalité du monde pénétrer en nous. Donc, on commence à penser comme ces gens-là. Avec les réels sur Instagram, ça me faisait aussi ça. Du coup, j'ai supprimé Twitter aussi. Et depuis, je suis plus productif. D'accord. Nathan a carrément supprimé Instagram et Twitter de son téléphone. Il était ferme. Très bien. Très bien, très bien. La Bible dit, vaut mieux que tu rentres bon, au ciel, qu'avoir tes deux yeux et puis aller en enfer. Tu as été très radical, très radical. Maintenant, la question que je te pose est fondamentale et puis je la pose à tout le monde. Vous avez supprimé peut-être l'application. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes délivré de ça? Vous pouvez supprimer, c'est-à-dire que vous n'êtes plus tenté parce que vous n'êtes plus exposé. Mais est-ce que vous êtes délivré? Et ça, en fait, c'est une question que je te laisse méditer dessus. Parce que c'est important que toi, maintenant, tu puisses méditer dessus. Et c'est une question que je laisse à l'Assemblée, à tout le monde, que vous puissiez méditer dessus. Que ce soit par rapport à la concentration, aux réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, à la sexualité aussi. Vous n'êtes plus exposé aujourd'hui. Avez-vous, en fait, êtes-vous délivré? Vous n'êtes plus exposé parce que vous ne fréquentez plus les mêmes personnes. Vous n'êtes plus exposé parce que vous ne vous retrouvez plus dans ces situations-là. Mais êtes-vous réellement délivré? Je donne juste un témoignage, pardon de revenir sur la sexualité ou autre, mais j'arrive à Bordeaux. Je suis exposé aux mêmes tentations que vous. Et au fur et à mesure en fait, que je suis dans l'église, je suis dans l'activité, dans le service. Et du coup, je suis détaché du monde, d'accord? Je ne suis plus exposé de la même manière. Ma relation avec Dieu grandit, je grandis spirituellement. Et au fur et à mesure, tout simplement, il y a des choses, les habitudes changent, les fréquentations changent et autres. Et puis, je me retrouve maintenant dans les fréquentations. Je rencontre ma future épouse, mon épouse actuelle. Et nous sommes dans les fréquentations. Et c'est là, en fait, où on va savoir si ou non tu as été délivré. C'est là où, en fait, tu vas être à nouveau exposé, en fait, à la réalité de ton corps. Et que tu vas pouvoir dire, oui, j'ai été délivré ou pas.
Mais en fait, ce que je vous encourage, c'est pas d'attendre jusque-là pour savoir si vous êtes délivré ou pas, mais c'est de sonder à l'intérieur de vous. Est-ce que je suis réellement délivré ou est-ce que c'est simplement parce que je ne suis pas exposé que je ne subis pas en fait cette pression? Ça, c'est vraiment une question que je vous laisse dans la réflexion et dans votre continuité spirituelle, parce que c'est important qu'on puisse se poser cette question. Et Nathan, réfléchis-y. Est-ce que si on remet Instagram et Twitter, est-ce que tu auras le même comportement ou pas? Bah justement, il faut savoir que j'ai utilisé Instagram pour évangéliser. Du coup, bah, j'ai retéléchargé l'application et depuis, je ne vais plus trop sur des réels. Donc oui, je pense. Ok, amen. Persévère, prie pour ça. On a écouté Henriette, on a écouté Nathan. Francky, est-ce que tu souhaites rebondir ou sinon on donne déjà la parole au public? Juste avant de donner la parole, aux personnes qui sont là, qui ont des questions, on va prendre deux questions comme tout à l'heure. Notre société est marquée par un progrès technologique comme jamais il n'y en a eu avant. On sort dans les rues, il y a des écrans partout. On est à la maison, il y a au moins 3 écrans à la maison. Donc on est tout le temps exposé à quelque chose. On est tout le temps exposé à une image. On est tout le temps exposé à quelque chose qui va attirer notre attention. Parce que tout veut qu'on s'intéresse. Voilà, tout veut qu'on porte notre attention vers cette chose. Et j'ai envie de dire que c'est un des très grands défis de la génération Z, en fait. De cette génération d'aujourd'hui, parce que on attire l'attention de tout le monde partout et partout et partout et partout encore, et c'est important de travailler sur soi-même, d'aller puiser ses ressources, ses forces contre ce courant-là dans la parole de Dieu et dans la prière. La Bible dit dans Apocalypse, je pense au chapitre 5, que dans le ciel, il y a des êtres qui ne sont pas forcément des anges, mais il y a des êtres spirituels qui tiennent des instruments de musique dans leurs mains pendant qu'ils sont devant le trône de Dieu. C'est pour vous montrer que ce n'est pas quelque chose juste qu'on vit sur la terre, en fait. Ce n'est pas juste on écoute de la musique, c'est le fun, c'est le truc, c'est notre mood à nous là. Et puis voilà, quoi, on a ça dans les oreilles et puis on fonce. C'est pas juste ça, ça va plus loin que ça. C'est bien plus profond que cela. Et si Dieu, qui est Dieu au-dessus des cieux, a créé, a mis en place ce principe-là, ce qu'on appelle musique, si ça existe dans le ciel et que ça existe aussi sur la terre, c'est qu'il y a quelque chose de puissant derrière, en fait. Donc il faut pas jouer avec. Pour terminer vite fait, je crois que j'ai fait plus d'une minute. Je connais des gens qui se sont fait charger par des esprits, par des démons, juste en écoutant de la musique. Avec un air de musique, on est capable de vous faire retenir quelque chose que vous ne vouliez pas retenir. Si je vous pose une question aujourd'hui en rapport avec un chant que vous avez eu l'habitude d'écouter, vous êtes capable de vous en souvenir. Et pourtant, si je vous demande, est-ce que vous vous souvenez du professeur de mathématiques qui vous a parlé du théorème de Pythagore, de machin, vous allez me dire, ah, je m'en souviens rarement. Pourquoi? Parce que le gars vous a dit ça de manière orale. Parce que le professeur vous a dit ça de manière orale. Mais si on avait mis ça en musique et qu'on avait mis des paroles, une mélodie, quelque chose dessus, vous chanterez ça de manière naturelle. Ça sortirait tout seul comme ça. Donc c'est quelque chose qui ne... C'est pas juste notre tête, c'est pas juste notre cerveau qui va écouter, qui va... Non, ça va jusque dans notre âme, ça va s'inscrire dans notre mémoire, ça va jusque dans notre esprit. Donc c'est très puissant. C'est ce que j'appelle des tatouages spirituels. Ok, je savais pas. Mais dans certaines cultures, on utilise même la musique, les instruments, pour faire rentrer les personnes dans des états de transe. Exactement. C'est pour dire que ça laisse une empreinte vraiment dans l'âme. Enfin, c'est spirituel. C'est vraiment spirituel. Yeah. Ok. Question publique. Question publique, avez-vous des questions? Une, deux questions, pas plus. Allons-y. Ah, il y a une question devant. Bonjour, moi c'est Maurice. Bonjour Maurice. Ma question est que c'est quoi un bon chrétien? Parce que au fait, nous les jeunes d'aujourd'hui, et nous pensons que venir le dimanche à l'église, et c'est être un chrétien.
et le reste, bon, on s'en fout et on fait comme on veut. Maintenant, j'aimerais savoir c'est quoi un bon chrétien. Quels sont les principes à suivre pour être un bon chrétien? Merci. Un bon chrétien, c'est quoi? Alors, je vais répondre simplement par une image, d'accord? Vous voyez l'arbre. C'est un bon exemple. L'arbre a besoin de deux choses pour grandir. Il a besoin de l'eau. Il a besoin de soleil, de lumière. Si vous privez l'arbre de la lumière, il va survivre, mais il ne va pas grandir. Parce qu'il n'y aura pas de photosynthèse. Donc, l'arbre va rester tout petit, en fait. Mais par contre, si vous lui supprimez, en fait, vous lui donnez la lumière sans eau, il va mourir. J'aimerais vous dire, à vous, nous sommes comme des arbres. D'accord ? Et c'est le psalmiste qui le dit, que nous sommes plantés comme des arbres près d'un courant d'eau. Et en fait, vous avez besoin de deux choses essentielles à votre survie et votre croissance spirituelle. C'est la parole et la prière. La parole va vous donner la vie, va vous donner en fait les nutriments nécessaires pour survivre, pour vivre. Tant que vous lisez la parole de Dieu, vous allez vivre. Vous allez vivre spirituellement. Maintenant, vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de mûrir. Vous avez besoin de vous élever par la prière. Quand je parle de prière, ce n'est pas rester pendant 15, 20 minutes, une heure enfermé dans votre chambre en disant « Seigneur, 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 Koraba, 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 Koraba. » Ça, c'est pas la prière. La prière, c'est une communication. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Première chose. La prière, c'est une atmosphère. Tu restes dans cette atmosphère avec Dieu et vous parlez. Dans la prière, on va y mettre aussi l'adoration, des temps de louange et d'adoration. On va y mettre aussi la méditation de la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu la lis, oui. Et maintenant, tu commences à la méditer au-dedans de toi et elle commence à faire une photosynthèse. Ça va imprégner ta vie. Tu vas commencer à prier en fonction de la parole. Tu vas commencer à grandir en fonction de la parole. Tu vas commencer en fait à t'imprégner de la pensée même de l'auteur de la parole de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voilà comment être un bon chrétien. Et en étant ce bon chrétien, forcément, lorsque vous êtes imprégné de la parole de Dieu et de l'Esprit par la prière, vous n'êtes plus en fait en proie à toutes les distractions en fait, du monde. Ça va vous sécuriser. La parole vous sécurise. Vraiment, j'ai pu expérimenter la parole. De toute façon, on va faire des sauts, hein, parce que quel que soit le problème, les solutions sont les mêmes. La prière, la parole, le Saint-Esprit. Par rapport à l'impudicité, par rapport aux réalités, aux tentations sexuelles, par rapport au péché de manière générale, je généralise les actions du péché. Lorsque vous êtes lié par un péché, faites tout simplement, mettez-vous à lire la parole de Dieu. Ne changez rien à vos habitudes. Je ne veux même pas vous dire arrêtez de pécher. Parce qu'en fait, de vous-même, vous êtes déjà lié, donc vous ne pourrez pas arrêter de pécher. C'est une réalité. Je ne vais pas vous dire, bon, maintenant, arrête de pécher. Mais je vais te donner un conseil. Lis la parole de Dieu. Plus tu vas lire la parole de Dieu, et plus en fait tes nutriments vont commencer à changer. Et au-dedans de toi, tu vas te surprendre qu'un jour, tu peux dire un jour à ton voisin, un jour, tu peux marquer sur le diable, un jour, tu vas te surprendre à réagir différemment par rapport au péché. Donc voilà comment tu peux en fait te sécuriser par rapport à la distraction du monde. Alors, la question elle est très bonne, peut-être pas forcément en rapport là avec tout ce qu'on est en train de dire, mais ce qui fait de nous un chrétien, c'est le fait de naître d'eau et d'esprit. C'est le fait de naître de nouveau. Donc quelqu'un peut venir à l'église le dimanche pendant 7 ans, pendant 14 ans, pendant 25 ans, et ne jamais être né de nouveau. Ne jamais avoir donné sa vie à Christ. Ne jamais avoir accepté la vie de Jésus-Christ. Et le premier élément qui fait de nous un chrétien et un bon chrétien, c'est qu'on soit né de nouveau. Qu'on soit né d'eau et d'esprit. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, après cette naissance, comme le pasteur disait, il y a des éléments qui sont fondamentaux, qui vont faire de nous un bon chrétien, qui vont faire de nous un vrai chrétien.
Parce qu'à l'église, en fait, il y a l'église. Dans l'église, les gens qui viennent dimanche à l'église, il y a vraiment des chrétiens, en fait. Donc, dans toute la communauté chrétienne, en fait, il y a des chrétiens, il y a des gens qui sont juste des gens qui fréquentent l'église, au final. Mais c'est important de savoir que l'élément principal et fondamental qui emmène un individu quelconque à être un chrétien, un bon chrétien, c'est le fait de naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Maintenant, comment naissons-nous de nouveau? C'est une autre question, c'est autre chose. Et je t'invite, après l'émission, à discuter de ça ensemble. D'accord? Et moi, je te répondrai par rapport à cette question et on pourra aller plus loin. Ok? Voilà, parce que je peux dire. Ok. Alors, on va passer à la deuxième question et puis c'est Priscilla qui va répondre sur cette deuxième question. Ok? Avez-vous une deuxième question, public? Je pense qu'il y a une deuxième question. Est-ce qu'on peut lui faire passer le micro? Bonsoir. Alors, je pense que vous avez déjà un peu répondu à la question que je vais poser, mais pour une personne qui a pris conscience que voilà, il est éloigné du Seigneur en quelque sorte, et veut franchir le pas, c'est-à-dire il veut commencer à méditer, il veut commencer à prier, mais il n'y arrive toujours pas. C'est-à-dire la question de la concentration, même au moment de prendre la Bible et de se dire là, je vais commencer à lire la Bible, il lit peut-être le premier verset, puis dit je vais continuer le reste après, et il ne le fait pas. Comment est-ce qu'il peut réussir à franchir cette étape? Moi, j'ai envie de dire, là, le verset qui vient, c'est qu'il ne faut pas négliger les faibles commencements. Un verset ne veut pas dire que tu n'as pas lu la Bible. Maintenant, j'ai envie de dire dans quelles conditions tu te positionnes, en fait, pour passer des temps dans la présence de Dieu, la méditation, etc. J'ai envie de dire, il faut aussi créer le climat. Si tu veux méditer, mais qu'à côté, tu as le téléphone, la télévision qui résonne dans tes oreilles, ou que tu es au milieu d'une foule de personnes qui bavardent, etc. Tu n'es pas, la condition n'est pas propice pour pouvoir méditer correctement. Moi, j'ai envie de dire, il faut vraiment prendre un temps, le mettre à part pour être dans la présence de Dieu, pour être en communion avec le Seigneur. De la même manière que deux personnes amoureuses prennent du temps ensemble, elles se retirent, elles se mettent à part. C'est pareil avec le Seigneur. Tu prends du temps que tu vas dédier pour être dans sa présence, en communion avec lui. Et au fur et à mesure que tu le fais, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, à force de méditer, tu vas nourrir ton âme, tu vas susciter en fait de l'intérêt et le désir de lire davantage. Tu vas commencer par prier peut-être 5 minutes, et à force, tu vas te rendre compte que de 5 minutes, tu pries 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et après, tu ne pourras même plus mesurer le temps que tu passes dans la présence de Dieu, tellement tu vas te délecter en fait de ces moments qui sont réellement un délice en fait. Voilà, donc moi c'est vraiment un conseil que je peux te donner, prendre du temps, le mettre à part, le dédier vraiment à la personne de Christ, et puis créer vraiment ce climat-là, et ne pas négliger le moindre temps que tu passes dans la présence du Seigneur. En 5 minutes, le Seigneur peut te parler. C'est pas la durée qui va déterminer la qualité du moment, mais c'est vraiment la profondeur, c'est vraiment l'importance que tu vas y accorder. Amen. Henriette, souhaites-tu répondre à cette question? Je vais aider Henriette. Je vais venir à sa rescousse. Je vais l'aider. Alors, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, la Bible dit quoi? Un chasse 1000, mais deux chassent 10 000. En gros, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut demander de l'aide. D'accord? Et demander de l'aide, ça peut être demander de l'aide à Henriette. Henriette, moi j'ai remarqué que toi, tu arrives à lire 15 chapitres de la Bible par jour. Please, can you help me? D'accord, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Donc ça, j'ai envie de dire que c'est le premier conseil que je peux donner à cette personne. C'est de chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, en qui on a confiance, voilà, quelqu'un qui on peut facilement communiquer. Ou demander de l'aide à son responsable. Pour ceux qui sont déjà à l'église, qui sont impliqués dans l'église, demander de l'aide à son responsable, dire, mon responsable, mon pasteur Michael, j'ai du mal à lire la parole de Dieu, j'ai besoin d'une discipline, j'ai besoin qu'on m'aide, d'accord? Et lui, il va t'aider. Alors, pour te faire un petit témoignage vite fait là-dessus, moi, je me suis converti, j'avais l'âge de 10 ans, d'accord? On était en 2001, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Donc, je crois que d'un point de vue spirituel, j'appartiens à la génération Z aussi.
Mais voilà, je me suis converti d'un point de vue spirituel. Je me suis converti à l'âge de 10 ans. Et depuis l'âge de 10 ans, on m'a enseigné qu'il fallait lire la Bible. Sauf que, comme tous les jeunes, comme tous les enfants, comme... c'était pas un kiff. Ça me disait rien de lire la parole de Dieu. Quoi. Attends, prendre du temps, lire des textes, des choses qui sont passées depuis des milliers d'années. Tu trouves aucun intérêt. Parfois, ça ne correspond pas forcément à ta réalité du quotidien. Mais j'avais une tutrice. J'avais quelqu'un qui, chaque samedi, me disait: Francky, viens, montre-moi ce que tu as médité. Montre-moi ce que tu as lu. Elle m'aidait, en fait. C'est vrai que c'était une personne vraiment assise et mature dans la foi, mais elle m'encadrait. Ça ressemblait un peu à une sorte de contrôle, voilà. Mais en fait, non, elle m'aidait, elle m'encadrait. Il y a des jours où je vous dis, vous n'allez pas le croire, je lui ai renseigné des choses que je n'avais pas fait. Je lui ai renseigné dans mon petit cahier, mon petit carnet, que j'avais lu un chapitre, mais je ne l'avais pas fait. Je l'avais pas fait. Really? C'est vrai, je ne l'avais pas fait. Mais elle n'a pas abandonné, elle m'a aidé. Jusqu'à ce que je me retrouve en toute autonomie à parcourir 7 chapitres de la Bible tout seul dans ma chambre. Je lisais, je prenais plaisir à lire. Je crois que quand je dis ça, il y en a qui se retournent. Donc je prenais maintenant plaisir à lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle m'a aidé. Donc parfois, on a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, on a besoin de l'aide d'un responsable. Et ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que des fois tout seul, on n'arrive pas à vaincre quelque chose. Des fois tout seul, on n'arrive pas à atteindre un objectif. Mais à deux, on chasse 10 000. La capacité est multipliée par 10. Voilà, donc c'est le conseil que je peux donner sans aller plus loin dans autre chose. Et maintenant, je crois que j'ai dit Henriette, et Henriette a quelque chose à dire. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que CSV Francky a dit, c'est que, en fait, pour moi, avant de franchir l'étape de demander l'aide à quelqu'un, il faut soi-même accepter que tu as besoin d'aide. C'est que des fois c'est compliqué, on se dit: ah, mais si je dis au frère que je n'arrive pas à lire la Bible, il va savoir que moi, dans le secret, je suis une mauvaise chrétienne. Tu peux avoir peur du jugement. Et vraiment, le seul conseil que je peux donner, c'est dans ces cas-là, accepter le fait que, en fait, on n'a pas tous le même niveau spirituellement. Forcément, quelqu'un qui a donné sa vie à Christ depuis quelques années, je ne dis pas que le nombre d'années compte, mais forcément, la personne-là aura plus d'expérience, notamment par rapport à son témoignage, des choses qui pourront t'apporter. Et franchement, ne pas avoir honte de dire à quelqu'un: moi, je traverse telle ou telle chose, j'ai des difficultés sur ça et j'ai vraiment besoin d'aide. Et il faut vraiment se accepter, en fait, de ne pas savoir, accepter de ne pas être au même niveau. Très bien. Effectivement, c'est... Moi, pour juste rajouter une petite chose, j'écoutais un débat de sociologue qui n'a rien à voir sur le thème qu'on est en train d'aborder, mais il a dit un mot, enfin une phrase qui m'a parlé même sur ma vie spirituelle. Il a dit: la constance et la discipline sont la clé du succès. Yes. Et moi, je me suis attribué ça à ma vie personnelle et à l'aspect spirituel, en me disant: la constance et la discipline seront vraiment des aspects qui vont m'aider dans ma foi et dans ma marche avec le Seigneur. Et réellement, de se répéter ça comme comment dirais, un mentoring, je sais pas, ça nous aide, en fait. Et comme a dit Francky, le binôme de prière est vraiment important. Ça nous aide énormément. Moi, aujourd'hui, j'ai une sœur en Christ avec qui on prie régulièrement, et ça vient rajouter, en fait, à notre entrain dans la prière. Là où seul, parfois tu es fatigué, tu es parfois démoralisé même par une situation qui te dépasse, ta binôme de prière va te porter, elle va te fortifier, et c'est très important. Nathan. Oui, alors du coup, pour compléter la réponse, je dirais que déjà une clé, c'est de demander de l'aide du Saint-Esprit. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je devais prier, et quand j'étais en vacances, j'avais vraiment la flemme. Du coup, je commence ma prière, je dis: Saint-Esprit, franchement, j'ai pas envie de prier, j'ai envie de sortir de la voiture et d'aller dormir. Et du coup, je continue, mais je demande vraiment l'aide de me fortifier. Et au fur et à mesure, je voyais que le temps de prière était vraiment excellent. Ce qui fait qu'à la fin, c'est un temps de prière qui m'a vraiment marqué, tellement j'avais ressenti la présence de Dieu. Alors qu'à la base, j'avais même pas envie de prier. Et après, je dirais qu'une autre clé aussi, c'est la rencontre avec Dieu. Parce que moi, au tout début, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'aimais pas prier, je n'aimais pas lire la Bible, j'avais aucune communion avec Dieu. J'ai commencé ma relation avec le Saint-Esprit, je lui ai demandé de m'aider à gérer une fille dans ma classe. Et petit à petit, je priais 5 minutes, après je priais 10 minutes avant de partir à l'école. Et plus j'ai rencontré Dieu, plus j'ai passé du temps dans la prière. Donc voilà. Alors, en fait, tu as commencé à prier pour des mauvaises
mauvaise raison, en fait. Oui, c'est pas une raison. Comme quoi, Dieu se sert de tout, hein. Amen, amen. Ok, merci beaucoup Nathan, merci beaucoup Henriette d'être intervenu sur ce deuxième problème. Je vous propose qu'on puisse passer au troisième problème, l'influence des réseaux sociaux. C'est un sujet qui parle beaucoup aujourd'hui, c'est très moderne, génération Z. Vous êtes la première génération à naître dans Facebook, hein, vraiment. Oui, Facebook 2000, voilà. Ouais, c'est ça. Vous êtes né dans Facebook. Nous, on n'avait pas connu, enfin bref, il y avait plein d'autres choses sauf Facebook. Bref. Du coup, je vais inviter Azania à venir à la place d'Henriette. Et Nathan, je te garde encore, parce que je pense que tu as déjà commencé un petit peu à aborder le sujet sur Instagram, Twitter. Donc, tu es bien placé aussi pour continuer à en parler. Et puis, donc, tout simplement, on va faire quelques rappels. Alors, le problème, c'est l'influence des réseaux sociaux et la foi. C'est de voir comment, en fait, les réseaux sociaux peuvent avoir un impact positif, mais également négatif, sur notre foi et notre spiritualité. Alors, avant que je puisse vous donner la parole, ça me fait rire, mais il faut que je vous dise, on en a parlé dans la musique tout à l'heure, et les réseaux sociaux sont très forts depuis l'arrivée de TikTok. On a... Maintenant que vous allez poster quelque chose, vous pouvez mettre de la musique. Et TikTok vous propose de la musique. En fonction du thème, en fonction des mots, en fonction... Voilà, on vous propose de la musique. Et bien souvent, nous sommes tentés à mettre une musique qui va bien avec notre texte, qui va bien avec notre rythme. Voilà la question que je te pose. Est-ce que la musique que tu utilises, elle est chrétienne ? Est-ce qu'elle glorifie Dieu ? Et des fois, on ne se rend pas compte, ce n'est pas un jugement, hein. Ce n'est pas du tout un jugement que je mets sur vous, c'est juste une réflexion et une méditation. C'est très important qu'on puisse savoir identifier là où les réseaux sociaux commencent à nous emmener et de pouvoir se dire aussi, oh là, oh là, oh là, moi je suis chrétien et il faut aussi que j'arrive à préserver mes valeurs en tant que chrétien, préserver mon message jusqu'au bout et faire la différence sur les réseaux. Ne serait-ce qu'au travers donc de la musique. Bon, je m'arrête là, il y a plein de choses à dire, mais je vais donner la parole à Zania. Si tu veux bien commencer par rapport à ce sujet, à témoigner par rapport à ça. D'accord, donc je vais témoigner par rapport aux réseaux sociaux. Donc moi, j'ai débuté ma foi sur les réseaux sociaux. C'était une période durant la période du Covid, là où vraiment le Seigneur a touché énormément sa communauté et que les chrétiens ont commencé à se lancer et à impacter sur les réseaux sociaux. Et durant ce confinement-là, toujours avec l'histoire de mon ex, le Seigneur m'a touchée et c'est là que j'ai été vraiment focalisée sur le Seigneur. J'aime bien ce talk show parce que les thèmes sont transversales et ils ont tous un lien. Et là, pareil, en fait, par rapport aux réseaux sociaux, je me suis sentie en fait zélée. J'étais vraiment remplie de la présence du Saint-Esprit. Du coup, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. J'ai lancé ma démarche, j'ai lancé que j'allais dans une méga church, une grande église. Et c'était vraiment incroyable de voir que tout le monde en fait me poussait et boostait ma foi en fait en me suivant, en regardant ma vie. Avant que je posais ce que je postais sur TikTok, c'était mon identité en tant que Guyanaise. Et j'ai pas énormément de Guyanais, hein, ce qui me suivait, etc. Un peu pour les mauvaises choses, pour la visibilité du pays. Et après, petit à petit, j'ai commencé à changer et du coup ma communauté également a changé. J'ai commencé à parler plus de Dieu. Ça leur a un peu choqué, mais j'avais cette audace en fait de parler de Christ, même si j'étais guyanaise, même si mon physique ne collait pas trop avec la chrétienté avant. Ben voilà, il y a une fille maquillée. Ah, t'es maquillée, tu parles de Dieu? Mais bien sûr, je suis maquillée, je parle sur moi. J'aime bien refléter la pauvreté, l'élégance. Donc oui, je crois en Dieu. Et c'est Dieu qui va me changer, c'est Dieu qui va faire ce changement. Et du coup, j'ai noté des avantages et inconvénients d'être sur les réseaux sociaux. Je vais vous en faire part. Parce que moi, au début, j'ai commencé, oui, j'étais zélée. Je voulais parler de la parole de Dieu. Le Seigneur avait vraiment commencé son travail avec moi. Et je commençais à avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Les abonnés ont commencé à monter. Donc, à venir un peu sur les réseaux et tout. Je suis montée jusqu'à 10K. Aujourd'hui, j'ai un peu perdu des abonnés parce que j'ai dû faire des concessions, poser le pour et le contre. Mais c'était pour mon bien, pour mon bien-être et pour avancer dans l'amour de Christ et pas être contre ce qui pouvait détruire ma destinée.
ce qui m'a également aidé dans ma destinée pouvait également me détruire en fait. Donc la puissance des réseaux sociaux et comment gérer en fait ça. Donc j'ai marqué les avantages. Je me suis créé en fait des amis de destinée. Je me suis créé un réseautage, enfin on appelle ça comme ça parce que je suis en BTS NVRC, donc je gère le digital, négociation et la relation client. Et pareil, on m'apprend le réseautage, d'avoir des amis, etc. La prière pour les âmes le soir, je restais très tard, je priais, j'étais une sentinelle pour les âmes. Je priais tard le soir, j'étais là, j'étais Seigneur, je priais pour tout le monde en fait. Et aussi, ce que je pouvais dire par rapport à ça, c'est aussi la satisfaction de faire la volonté de Dieu. Enfin, t'es là, tu fais la volonté de Dieu, tu te sens utilisé en fait. Quand on rentre en Christ et qu'on rencontre le Seigneur, on veut se sentir utilisé, on veut savoir qu'on a une appartenance, on veut savoir qu'on est bien enfant de Dieu. Et là, vraiment, j'étais vraiment comblée en plus grande méga church et tout. Non, Adonai était connu. Et ensuite, les inconvénients. Donc, il faut vraiment, quand vous allez sur les réseaux sociaux, connaître votre identité en Christ. Si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, ça ne sert à rien. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher sur les réseaux sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux qui ne sont pas appelées ou qui disent des fausses doctrines, en fait, qui emmènent le peuple à se perdre. Oui, c'est ça, en fait, tout simplement. Et ce que j'ai noté pour moi et pour vous également, si vous voulez vous lancer, il faut être préparé, il faut être enseigné, avoir un cadre, comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au thème précédent, il faut avoir vraiment un cadre. Donc, une église, ayez une église locale. C'est bien les réseaux, c'est bien d'être dans le virtuel, mais le présentiel est vraiment primordial et important. Ensuite, transmettre, j'avais mis dans les avantages, j'avais mis la transmission aussi parce que on m'a toujours dit une parole, on ne peut pas transmettre ce qu'on n'a jamais reçu. Et vraiment, ce que j'avais noté dans les inconvénients, c'est que certes, je veux servir le Seigneur sur les réseaux sociaux, etc., mais qu'en est-il en fait de mon intimité? Qu'en est-il du temps que je passe avec le Seigneur? Ça, en fait, il faut vraiment avoir la sagesse de se dire que oui, je prêche sur les réseaux sociaux, mais ça ne doit pas être tout mon temps, en fait. Il faut également que je me prépare parce que c'est les âmes qui sont derrière qui sont à gagner. Les âmes qui sont derrière qui sont plus importantes que le fait d'être vu, que le fait d'avoir 10 cas sur les réseaux sociaux, c'est rien, en fait. Jour en jour, ça peut s'éteindre. Mais le fait que tu as le feu de Dieu et que tu es appelé à être sur les réseaux sociaux, ne t'inquiète même pas, persévère, tu vas être un instrument pour le Seigneur. Donc voilà. Également, les inconvénients, c'est que oui, on prie pour les âmes, donc on est exposé à l'ennemi. Le diable nous voit. De base, TikTok, c'est fait pour nous distraire. On a eu la distraction, le manque de concentration. Donc oui, TikTok, c'était là pour nous distraire, pour faire passer notre temps. Vous êtes là, vous scrollez jusqu'à ressentir la satisfaction. Voilà, j'ai trouvé la bonne vidéo, etc. On passe énormément de temps. Mais j'ai un pasteur qui m'a dit, utilise ce réseau social pour impacter. Utilise ce réseau social pour toucher de la jeunesse. Utilise ce réseau social pour parler de Christ. Être différent, être authentique, c'est ça en fait. Ouais, moi, je ne m'appelle pas l'aigle. Je ne m'appelle pas le lion de Juda. En général, les réseaux sociaux se transforment. Ouais. Hein. Non, on devient quelqu'un d'autre. Je ne m'appelle pas... Tu t'appelles comment? Je m'appelle Azania. Donc si vous allez sur Insta, TikTok, trouvez Azania. Si on était dimanche, j'allais faire une offrande le panier pour Azania. Merci pour ton témoignage, merci pour ce que tu partages. Vas-y, tu peux continuer, tu peux terminer ici. Donc, pour conclure, c'est vrai qu'il y a une dualité entre ma véritable identité et ma non-identité dans le monde, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, mais j'ai trouvé ma voie aujourd'hui. Et ce que je peux dire comme conseil, c'est vraiment être encadré, vraiment avoir des personnes comme le pasteur Michael, qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il perce, hein. Vraiment. Merci.
merci Zania. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager? Bon, Francky, tu voulais mettre l'offrande, donc vas-y, dis-nous ce qui t'a marqué. Ce qu'elle dit est vraiment intéressant parce que j'ai pour habitude de dire, Jésus disait aux pharisiens, aux sadducéens, que Dieu a créé le sabbat pour Israël. Et le sabbat était censé être un jour de repos pour Israël. Le sabbat n'était pas censé dominer et influencer la société d'Israël comme c'était à l'époque quand Jésus était venu. Et il leur a dit une belle phrase que j'aime beaucoup, c'est que c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le sabbat domine sur vous. Si un jour de sabbat, on peut guérir un malade, il faut le guérir. Si un jour de sabbat, qui est le jour du repos, on ne doit rien faire, on peut sauver une vie, il vaut mieux la sauver, cette vie. Et c'est un peu le même principe que moi j'applique à ce qu'on vit aujourd'hui dans notre génération. Et j'entends parler des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, aujourd'hui TikTok, Snapchat et tout le reste. En fait, toutes ces choses-là sont créées. Mais quand nous, on est en Christ, en fait, il ne faut pas que ces choses nous contrôlent. Il ne faut pas que ces choses nous dominent, en fait. Il ne faut pas que ces choses nous guident maintenant. Elles ont été faites et nous, on peut s'en servir pour toucher des vies, pour vraiment toucher les vies autour de nous. L'une des choses que Dieu a promis dans les derniers jours, c'est que la connaissance va augmenter. Donc, j'ai envie de dire que c'est même une bénédiction. Alors, c'est passé par des personnes inattendues, peut-être inappropriées aujourd'hui pour nous, les chrétiens. Mais c'est ce que Dieu a promis en fait, c'est une promesse de Dieu pour l'humanité, par la bouche de Daniel, que les derniers temps vont être marqués par une connaissance grande. Et aujourd'hui, le fait que la technologie est en train de grandir, est en train de se déployer davantage, c'est un signe que ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Daniel est en train d'arriver. Et donc l'une des manifestations de cette grande connaissance, ce sont l'expression de cette technologie qu'on a au travers, par exemple, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a les téléphones qui font la 5G. Vous êtes capable d'appeler en Wi-Fi, capable de voir quelqu'un en vidéo. C'est extraordinaire, ce qui n'existait pas à l'époque de Jésus. Mais Jésus disait déjà aux pharisiens qu'il ne faut pas prendre le sabbat comme étant quelque chose sous lequel vous devez vous plier. Ça va pas, c'est pas un jour pour vous. C'est censé être une bonne chose pour vous. Et moi, c'est l'image que je me donne quant aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. C'est un outil, c'est comme le téléphone, il n'est pas mauvais en soi. Tout va dépendre de ce qu'on va faire de lui et de comment nous, on va l'utiliser en tant que chrétien. D'accord ? Donc voilà, moi, c'est... Et quand on parle de ça, moi, tout de suite, voilà, c'est ce qui monte à mon esprit, c'est ce qui monte à ma pensée. Et franchement, merci à Zena pour ton témoignage. On n'est pas en tant que chrétien, en tant que responsable ici, hein, avec le pasteur Michael, en train de dire bah, c'est fini les réseaux sociaux pour les chrétiens, soyez déjà en marge de la société, n'allez plus sur Instagram, n'allez plus sur Facebook, ou ne faites. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que c'est un outil qui peut nous permettre de toucher la vie de quelqu'un qui a des milliers de kilomètres de nous, chose qui n'était pas possible à l'époque de Jésus. Donc, l'une des choses que Jésus nous promet, c'est qu'on va faire des choses bien plus grandes que lui. Jésus était dans son village à Nazareth, à Bethléem, machin. Il n'était pas capable de toucher quelqu'un qui était à Rome, en Italie. Aujourd'hui, on est capable de le faire au travers des réseaux. Je ne sais pas si on réalise la puissance qui est entre nos mains parfois. Et c'est pour ça que, franchement, merci à Zania. C'est pour ça qu'il faut mesurer avec sagesse notre relation, j'ai envie de dire. Relation, ce n'est pas le bon mot, mais notre rapport aux réseaux sociaux. Je ne vais pas intervenir tout de suite. Nathan, je vais parler, ensuite Priscilla va réagir. Alors, du coup, moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est énorme. C'est comme un couteau. On peut l'utiliser pour cuisiner, faire de bonnes choses. On peut aussi l'utiliser pour blesser des gens, etc. Et j'ai vraiment cette image-là des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut, en soi, ça a été fait un peu pour nous détruire, des fois, j'ai l'impression, avec le contenu court qui va nous rendre bêtes, la distraction, tout ça. Mais quand on arrive à grandir en maturité, on prend conscience qu'on peut vraiment le tourner vers quelque chose de positif. Parce que, par exemple, avant, j'avais une image très, très négative de TikTok. Je me disais, ah, là, c'est l'application fait pour nous détruire, notre génération et tout. TikTok nous envahit. Et puis un jour, j'ai une fille, elle me dit, je me suis converti sur TikTok, parce que quelqu'un parlait de jeu sur TikTok, et tout ce que j'ai appris de jeu, je l'ai appris sur TikTok. Et moi, j'étais là. Non.
Et après, elle me dit, oui, je sais que je suis né grâce à la parole, au Saint-Esprit, grâce à TikTok. Et quand elle me parlait, j'avais des gens même qui allaient à l'église, qui ne parlaient pas autant bien de Dieu qu'elle avait. Et ça, ça m'a vraiment choqué. Et par exemple, comme cette église-là, ben, je l'ai connue grâce à YouTube. Donc sans les réseaux sociaux, je n'aurais pas pu, je ne serais pas ici en fait. Et aussi, par exemple, même pour prier sur le prier, j'utilise beaucoup des musiques chrétiennes, et en soi, ça me permet de passer plus de temps. Et c'est là que j'ai compris que les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose pour nos chrétiens à canaliser pour le tourner vers le droit chemin. Yes. Voilà. Merci, Nathan. Mais tout a été dit, je dirais simplement que, il y a vraiment une puissance derrière les réseaux sociaux qu'il faut mesurer parce que c'est l'excès qui nuit. Donc, selon l'usage qu'on va en faire, c'est vraiment de mesurer. Et comme elle a su dire à Zania, j'ai beaucoup aimé, il y a vraiment une nuance entre le virtuel et le réel. Oui, les réseaux sont immatériels, mais vont beaucoup impacter, pardon. Mais derrière ça, il y a vraiment une profondeur, une réalité qui est notre relation personnelle avec le Seigneur qu'il faut cultiver entre nous. Voilà ce que je peux dire. Amen, amen, amen. Vous êtes certainement, vous avez des questions. Tu voulais réagir? Oui. Oui, vas-y, je pense. Aussi, moi, par exemple, j'ai un témoignage par rapport à ça. C'est que je trouve que les réseaux sociaux, c'est en soi une invention extraordinaire parce qu'on peut toucher des personnes qui sont à 2000 km et même pour évangéliser, on peut directement faire un message. Ça va faire 40 000 vues. Alors que si on voulait faire ça dans la rue, il faudrait réunir de la personne, il faudrait un budget, tout ça. Ouais. Alors que là, directement, on peut toucher des gens. Et moi, ça m'est arrivé comme ça de gagner même j'habite au Canada. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, on parle comme ça, on échange avec le décalage horaire, tout ça, grâce au réseau. Alors qu'en vrai, on aurait le temps de recevoir des lettres. Enfin, vraiment, ce serait galère, quoi. Et à chaque fois que je parle, je me dis, mais en fait, merci Dieu pour les réseaux sociaux, quoi. Amen, amen. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit pour l'évangélisation. En fait, les réseaux sociaux, c'est une bonne école pour ceux qui souhaitent évangéliser quand vous avez peur d'aller dans la rue et tout. Commencez sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux tomber là où il n'y a pas beaucoup de personnes qui vous voient. Vous expérimentez, vous vous mettez à l'aise, vous vous sentez à l'aise et ensuite allez dans la rue tout simplement. Je voulais également rebondir sur le réseau social. En fait, sur les réseaux sociaux, on peut créer un décor. On peut créer une vie parfaite comme si tu menais la best life en Christ. Là, tu es en haut, tu connais la parole par cœur, etc. Et tu peux vraiment créer toute une histoire. Illusion. Ouais, c'est une illusion. Tu mens en fait. C'est pas ta réelle vie. Et il faut faire attention à ça. Sur tu mens. Il faut faire attention à ça parce qu'il y a des chrétiens qui se lèvent sur les réseaux sociaux, qui parlent de la parole de Dieu, etc. Mais dans leur intimité, il n'y a pas d'intimité. Le diable joue de ça. Le diable, c'est un malin anti. Donc il est là comme un lion. Il tourne autour de nous. Il attend que. Mais là, il y a une porte ouverte. Là, il n'y a pas l'intimité. Donc comme il n'y a pas l'intimité, tu vas commencer à prêcher, mais tu vas prêcher, tu vas croire que tu prêches pour Dieu, mais finalement tu prêches pas pour Dieu, hein. Tu prêches pour moi en fait. Parce que tu emmènes en fait les personnes qui écoutent la parole de Dieu à la distraction, mais il y a aussi des nouveaux messages aussi qui sortent sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais été écrits dans la Bible aussi. Et juste pour faire attention, vraiment avoir le discernement lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, demandez au Saint-Esprit pour chaque message, même si c'est un pasteur connu, chaque message, demandez vraiment est-ce que c'est la volonté de Dieu, est-ce que c'est vraiment ça ce que tu veux que nous fassions, est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et suivez également, quand on sort d'un culte, on prend la parole de Dieu, on lit les versets, on les suit. Pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est marqué où, ça t'a dit ça, où, etc. Pour vérifier toujours la vérité, toujours marcher dans la vérité. Et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant que le Seigneur utilise les réseaux sociaux pour permettre d'évangéliser. Il y a énormément d'âmes qui ont été gagnées, notamment durant le Covid. Et c'est incroyable, on s'est dit, nous, on va rester enfermés chez nous. Au final, mais on ne va plus aller à l'église tout, mais il y a quand même des personnes grâce à ça qui se sont réconciliées avec le Seigneur. Exactement. Préparez vos questions, hein. Moi j'ai parlé. En fait, vous m'avez sorti les mots de la bouche. Parce que, en tant qu'évangéliste, les réseaux sociaux sont des belles plateformes pour évangéliser. Comme le disait encore Nathan, tu peux toucher des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Et tu peux réellement en fait faire la différence. Mais comme le dit aussi Azania, il faut faire attention de ne pas prêcher les choses que vous ne vivez pas. Un jour, ça va vous rattraper. Peut-être que tes intentions de départ sont bonnes. Tu as un message que tu veux préparer, tu veux le communiquer parce que tu sens dedans de toi qu'il faut le faire. Ça te pèse parce que le Saint-Esprit veut que tu puisses communiquer ce message. Mais le problème, c'est que tu risques en fait d'aimer ça.
de voir, il y a des gens qui ont commenté, il y a des gens qui ont liké, il y a des gens qui... Tu te réveilles le matin, alors est-ce que... Ah, waouh, non, dommage. En fait, non, mais c'est la vérité, je le fais aussi, c'est la vérité. Mais je veux dire qu'à un moment donné, en fait, tu risques de chercher les vues, tu risques de chercher la visibilité de toi-même et d'oublier en fait celle de Jésus. C'est-à-dire que tu es là sur les réseaux sociaux parce que le Seigneur t'a demandé de le faire, mais il t'a donné aussi un message. C'est-à-dire qu'avant de commencer à faire les réseaux sociaux, demande au Seigneur quel est le message dans lequel tu dois rentrer. Peut-être que tu as parlé que du cœur, peut-être que tu as parlé que de l'évangélisation, que pour le salut des âmes, que pour l'édification. Peut-être que toi, tu vas rentrer dans la parole de Dieu comme un docteur, tu vas l'expliquer. Mais il faut que tu saches pourquoi en fait et de quoi tu veux parler. Et il faut que tu puisses vivre ce que tu prêches. Vis ce que tu prêches et tu auras en fait l'impact. Vis en fait, prêche ce que tu vis. Oui, prêche ce que tu vis et tu auras de l'impact. Les gens vont venir, les gens vont te demander, mais c'est comme des personnes qui viennent vers vous, j'ai besoin de prière, tu as prié avec eux. Je peux te dire que derrière, l'ennemi t'attend aussi. Dès que tu commences à faire du bien à quelqu'un, c'est comme si dans l'enfer, il y a marqué « wanted ». Non, on va te chercher parce que tu commences à faire du bien aux gens. Tu commences à gagner des âmes. C'est-à-dire que quand tu fais ça, assure-toi d'être sous une couverture spirituelle. Assure-toi que derrière ça, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Parce que c'est vraiment important. Le diable, en fait, n'aime pas les chrétiens. Et il déteste encore plus les adorateurs, les intercesseurs et les évangélistes. Et ça, c'est important. Vraiment, bien aimé, faites attention. Alors, dans les avantages, on prêche l'évangile. Et ça, c'est une bonne chose. Avant les réseaux sociaux, il y avait les radios. Et on connaît ces télé-évangélistes qui prêchaient à la télé, qui prêchaient aux radios. Aujourd'hui, notre génération, la génération Z et les autres, c'est maintenant les réseaux sociaux. Les évangélistes n'ont plus de rue. Peut-être que ce temps est passé, tu vas peut-être toucher encore, tu auras de l'impact, mais les réseaux sociaux, tu vas avoir aussi de l'impact parce que tu pourras avoir justement cette communication, créer le réseau, on a parlé du réseau. Tu vas commencer à inviter les gens à venir, vous n'avez pas d'église, contactez-moi. Vous voulez vous faire baptiser, vous ne savez pas où, contactez-moi. Et il y a des personnes qui vont me contacter. Combien de personnes m'ont déjà contacté? Pasteur, j'ai besoin d'aide. Pasteur, mon couple ne va pas bien. Pasteur, j'ai mon fils en prison, priez pour moi. Pasteur. Et combien de sujets de prière on voit, il y a des gens qui souffrent. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Toi, tu te plains parce que tu es lié au péché, lié au machin. Tu as l'impression qu'il n'y a que ça dans la vie chrétienne, il y a que ça. Il y a des gens qui souffrent. Et tu es une réponse pour eux. Même si toi, tu combats encore avec le péché, etc., engage-toi pour le Seigneur. Engage-toi. En fait, le diable est en train de focaliser quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pour que tu puisses, en fait, ne plus voir le tableau dans son ensemble, mais que tu te focalises juste sur un petit truc. Et pour que tu puisses arrêter de prêcher l'évangile. Mais si tu commences à regarder le tableau dans son ensemble, tu dis, bon, attends, il y a des âmes à sauver. Ok, je m'engage, je vais sauver des âmes. Et je continue et je m'engage pour le Seigneur, je m'engage pour le Seigneur. Je ne reste pas focalisé sur moi-même, mais j'ai l'amour pour les perdus. Et la chose qui doit vous faire aller vers les autres, la première chose qui doit vous motiver à aller vers les autres, c'est l'amour pour les perdus, pour sauver les autres, pour sauver les âmes, pour faire en sorte que les parents et les enfants puissent se réconcilier, que les familles se réconcilient, que les personnes puissent trouver l'évangile, que les musulmans puissent se donner à Christ, que les bouddhistes puissent reconnaître que, voilà, tout simplement trouver Christ. Mais je vous mets en garde, faites attention, munissez-vous en fait de la parole de Dieu et de la prière. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez tomber nez à nez avec des gens qui sont plus intelligents que vous, qui sont plus spirituels que vous, hein, de l'autre côté, hein, je parle de l'autre côté, hein, d'accord ? Il faut que vous soyez blindés. Blindez-vous de la parole de Dieu, blindez-vous de la prière, blindez-vous du Saint-Esprit. Parce que vous allez commencer à entendre des choses et à avoir accès à certaines connaissances que jusqu'à présent vous n'aviez pas eues. Et vous allez vous commencer à. Et le diable va commencer à vous dire t'es sûr que ton Jésus c'est vrai? T'es sûr que ça? Regarde, ils l'ont prouvé, pourtant Jésus n'existe pas. Il y a des gens aujourd'hui sur... En fait, moi, ça m'a fait peur, vraiment honnêtement.
Et je ne vous parle pas de ça il y a longtemps. Il y a quoi? Il y a peut-être un mois. J'ai découvert des chaînes sur TikTok, des gens qui prouvaient que Dieu n'existait pas, sur la raison. Des gens qui vous parlent du monde spirituel mieux que toi. Et tu dis, Seigneur, aide-moi, afin que ces paroles ne puissent pas trouver en fait une terre fertile dans mon cœur. Protège-moi, garde-moi. Même si je suis pasteur, je prie, Seigneur, protège-moi, garde-moi de tout ce que je peux entendre. J'aimerais te dire, tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Tout ne doit pas rentrer dedans. Fais attention à ce que tu écoutes. Et aie la conviction dans le Saint-Esprit du Seigneur de savoir, est-ce que je peux écouter ça? Est-ce que je ne peux pas écouter? Et même quand on est chrétien, « Oh, c'est un pasteur, c'est bon, je peux écouter. Ah. » Je vous assure, bien-aimés, que tous les gens qui prêchent sur TikTok ne sont pas des pasteurs. Tous les gens qui prêchent ne sont pas... C'est beau, il y a du goût, mais il n'y a pas l'esprit. C'est bien formulé, il y a beaucoup de vues, beaucoup de likes, mais il n'y a pas l'esprit. Faites attention à ce que vous écoutez. Écoutez les réseaux des jeunes créateurs de contenu dont vous avez certifié le témoignage. Les pasteurs, le pasteur Sosten est sur les réseaux sociaux, il est sur TikTok. Abonnez-vous, vous êtes sûr que la parole que vous allez recevoir, c'est une bonne parole. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi, c'est une bonne parole, ça va m'encourager. Et puis, c'est une bonne parole que je vais vous donner. Et puis, il y en a plein d'autres auxquels vous pouvez vous engager pour les soutenir et pour faire tout simplement la diffusion en fait, des médias que vous-même vous avez validés et que vous pouvez dire bah, viens dans cette église, tu vas pouvoir rencontrer le pasteur Sosten. Viens dans cette église, Azania, moi je la connais bien, tu vois, elle a 10 000 vues, ouais, 10 000 abonnés, moi je la connais bien, on est amis, on s'assoit côte à côte à l'église. Non, c'est important, bien aimé. Donc on va prendre, pour terminer cette émission, on va prendre deux questions qui sont dans le public par rapport aux réseaux sociaux, et puis ensuite on va terminer. Yes. Question. Il n'y a pas de question. Si, il y a des questions. Allons-y. On a tout dit. Bon, ok. D'accord. Priscilla, je me retourne vers toi. Et avant, j'ai parlé à toutes les personnes qui nous regardent. Lis ta Bible. C'est très important. Prends le temps de lire ta Bible. On parlait des technologies tout à l'heure et je connais quelqu'un parmi les jeunes. Un jour, j'ai vu son téléphone, l'alarme a sonné à 21h. Je dis, oh, mais ton téléphone sonne à 21h. Je regarde, en fait, son téléphone était là. Et je regarde rendez-vous avec Dieu. À 21h, son téléphone sonne, rendez-vous avec Dieu. Ça, ce sont des exemples que vous pouvez faire. Vous savez que là, ah tiens, j'ai un rendez-vous avec Dieu. Dieu m'appelle. J'ai un rendez-vous. Et vous pouvez mettre une alarme, utiliser la technologie pour vous, pour votre spiritualité. Puis la deuxième chose, par rapport aux réseaux sociaux, ne vous satisfaisez pas de la parole de Dieu que vous lisez simplement sur les réseaux sociaux. Les stories. Ça, c'est pas un petit déjeuner qui va vous accompagner toute la journée. Oh yes. Ça, c'est l'apéritif. Ok? Tu ne peux pas te nourrir juste d'apéritif. Tu as besoin de nourriture solide. Il faut que tu puisses avoir un temps personnel dans la lecture de la parole de Dieu. Tu vas écouter un message, c'est bien. Mais prends le temps à ce que Dieu te parle directement. Au lieu qu'il passe par un intermédiaire. Parce que nous autres, nous sommes tous des intermédiaires. Mais si tu as une relation fondée avec Dieu, c'est le plus important. Donc voilà le mot que je voulais dire. Si vraiment il n'y a pas de questions, Priscilla, j'aimerais que tu puisses dire un dernier mot aussi. Je te donne l'opportunité, l'occasion. Francky aussi, pareil. Et puis on va terminer. De manière générale, pas forcément sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'on a pu parler. De manière générale, moi j'aurais plus voulu partager un verset que j'avais à cœur depuis le début de ce talk show. C'est dans le livre de Corinthiens, qui dit que Dieu est fidèle et il ne nous permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il nous préparera aussi le moyen d'en sortir.
Que le Saint-Esprit soit notre seule et unique ressource, en fait, face à toutes les tentations que l'on, peut rencontrer. Que le Seigneur reste notre seul allié et notre seule ressource, là où on va puiser la force nécessaire pour pouvoir résister et, surmonter cette tentation, telle qu'elle soit, que ce soit la sexualité, les réseaux sociaux, une addiction, on n'en a pas forcément parlé, mais il existe diverses addictions que l'on peut... qui peuvent nous miner dans la vie, que vraiment le Seigneur reste notre source et il est capable de nous en sortir, de nous en garantir. Je n'ai pas l'occasion de, faire mon témoignage ce soir, mais pour celles qui veulent que je leur partage, je pourrais vraiment vous parler de ce par quoi j'ai pu passer et dont le Seigneur m'a sorti. Et je ne pensais pas pouvoir m'en détacher, mais il l'a fait. Et par sa grâce, aujourd'hui, j'en suis et je peux le dire définitivement libre, que ce soit... les sorties, les achats compulsifs, voilà, toutes ces choses en fait. Donc, il est fidèle. Yes. Un mot pour terminer. Quand je méditais sur ce moment qu'on était en train de passer, il y a un texte qui est venu dans mon cœur. Et c'est ce que j'ai envie de dire pour le mot de la fin. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et quand j'y réfléchissais, quand j'y méditais, voilà ce qui m'est venu. Si le monde était un repas, il serait pour Dieu le repas le plus fade qui existe, si les chrétiens n'existaient pas. Si le monde était une pièce à quatre murs, sans fenêtres et sans portes, les chrétiens que nous sommes serions la lumière que Dieu met quand il rentre dans la pièce. Quand je dis ça, je me vois en train de manger un repas qui n'a ni saveur, ni goût, et je m'imagine en train de me forcer à le manger. Et je repense à la vie des chrétiens que nous sommes et à la place qu'on a dans le monde. Et cette image est restée marquée en moi, et c'est ce que je partage avec vous pour ce talk show, c'est qu'on est le sel de la terre. En fait, si le monde a encore pour Dieu de l'importance, si le monde a encore pour Dieu de la valeur, si le monde est un repas que Dieu devrait manger, il ne le mangerait que si les chrétiens existaient, parce qu'ils sont le sel de cet aliment. Et si Dieu devrait être guidé dans une pièce qui n'a pas de lumière, ce serait à cause des chrétiens qu'il y aurait la lumière et qu'il pourrait circuler et se déplacer. Et c'est la chose que j'ai envie de laisser à chacun d'entre nous ici, à chaque jeune que nous sommes ici. On marche, j'ai envie de dire, à contre-courant. On marche, on a des défis énormes. Plus le temps passe, plus on a l'impression que vraiment on dégringole. On est vraiment en train de se faire du mal de plus en plus. Mais si Dieu maintient le monde, c'est parce qu'il arrive à regarder chacun de ses enfants, chacun des chrétiens que nous sommes. Et pour moi, c'est une chose importante de réaliser cela, que nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes la lumière du monde. Si Dieu est capable, enfin, si Dieu est en même d'agir, c'est parce qu'il y a ses enfants sur la terre, parce qu'il y a ses enfants dans ce monde qui est perdu, dans ce monde qui est en train de se détruire par lui-même. Et c'est le mot que j'ai envie de laisser à chacun d'entre nous pour ce talk show. Si le monde était un repas que Dieu devrait manger sans saveur, il le mangerait parce que nous, le sel, on est là. Si le monde était une pièce fermée, sans porte et sans fenêtre, qui ne donnait accès à l'extérieur, qui ne donnait aucun accès à l'extérieur, Dieu s'y baladerait, Dieu s'y déplacerait au travers de la lumière parce que nous sommes la lumière du monde. Donc voilà ce que je peux dire. Quelle belle illustration pour parler de Dieu et du monde. Et sur ces paroles, j'aimerais simplement lancer cet appel. Dieu a fait une chose extraordinaire. J'utilise les réseaux sociaux spécialement pour ce temps. Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire pour le monde. Il a voulu réconcilier le monde avec lui. Et j'aimerais simplement te poser cette question. Aujourd'hui, sais-tu où tu vas? Sais-tu où est-ce que ta destinée et tes choix t'emmènent? Il y a un choix que je te propose aujourd'hui, c'est de pouvoir t'engager avec Christ.
de pouvoir accepter Jésus dans ta vie, mais réellement t'engager pour lui, de pouvoir dire Seigneur Jésus, je t'ai déjà connu, je t'ai déjà entendu, et au travers de ce talk show, j'ai bien compris en fait que j'ai un choix à faire, je veux m'engager avec toi. Je veux remettre les pendules à l'heure sur les réseaux sociaux, par exemple, sur la sexualité ou bien d'autres choses. Je veux me concentrer sur tes objectifs. Je veux te servir. Utilise-moi. Et simplement, dans ton cœur, fais cette prière. Demande au Seigneur Jésus de venir par son esprit et de pouvoir simplement mettre dans ton cœur la conviction que tu es utile pour le royaume des cieux. Mettre la conviction que tu n'es pas moins que rien et tu ne vaux pas moins que les autres. Que tu as de la valeur et que Dieu peut t'utiliser avec ton jeune âge. J'ai connu le Seigneur alors que j'avais... Enfin, je suis né dans une famille chrétienne. Je me suis engagé avec Christ quand j'avais 14 ans. Je me suis fait baptiser à l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à servir Dieu à l'âge de 14 ans. Alors que j'étais dans le centre-ville, dans la rue, en train de prêcher l'évangile, alors que j'avais 14 ans. Je ne sais pas comment je faisais, mais je tenais tête même aux témoins de Jéhovah. Et le Seigneur m'utilisait pour pouvoir prêcher sa parole. Dès lors que Dieu t'utilise, tu deviens simplement un canal par lequel Dieu se glorifie. Et c'est ton temps, c'est ton jour. Aujourd'hui, choisis la bonne part, choisis Jésus. Car avec Jésus, tu es sûr du chemin, de là où tu vas, de ta destination, de ta destinée. Dieu mettra toutes les choses devant toi pour que tu puisses réellement, en fait, tout simplement, vivre dans ce monde. De pouvoir t'envelopper dans ce monde. De pouvoir te revêtir dans ce monde. Et de pouvoir t'équiper à traverser les épreuves de ce monde. Plus nous allons évoluer, plus le monde va évoluer, plus les technologies vont évoluer. Il y a plein de technologies, on n'en a pas parlé, hein, entre la VR, la réalité augmentée et toutes ces choses. Ça devient de plus en plus difficile et la perversité augmente aussi avec les technologies. Mais le Seigneur va te préserver. Et simplement, demande au Seigneur, Seigneur, permets-moi d'utiliser ces choses pour ta gloire. Que je puisse changer ce mal en bien pour ta gloire. Préserve-moi du monde. Garde-moi des stratégies du diable et que toutes les armes forgées contre moi et contre ma destinée soient nulles et sans effet. Seigneur, utilise-moi. Je vais être de cette génération, ni Z, ni Y ou autre, mais cette génération du ciel, utilisée pour toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer bien fort que tu puisses glorifier Seigneur? Je te bénis Seigneur pour cette chose que nous allons passer ensemble. Je crois que ça va bénir beaucoup de monde. Alors n'hésitez pas encore à partager autour de vous, à le revoir, à faire replay, à faire des partages et autres. Et que le Seigneur puisse vous bénir pour tout ce que vous allez partager. Merci en tout cas beaucoup à Priscilla, merci beaucoup. Et je pense qu'on aura le temps de revenir sur ton témoignage. Parce que dès que tu as dit à chaque conclusif, j'ai vu les yeux briller dans la salle, je me suis dit, ça doit parler. On reviendra pour même peut-être des émissions spécialement pour les femmes dans la jeunesse, des émissions spécialement pour les jeunes hommes dans la jeunesse. Merci beaucoup pour ta présence. Merci à Francky. Merci Pastor, c'était super de vous avoir. Merci aussi à Adam qui était présent avec nous. Merci à Zania pour ton témoignage. Merci à Henriette qui était aussi avec nous tout à l'heure. Et également à Warren et qui était aussi présent. Est-ce que vous pouvez les encourager bien fort? Merci à toute la technique, merci à notre pianiste Loïc qui est avec nous. Merci beaucoup de nous avoir soutenus, Loïc, et la passation avec Josué aussi. Merci à vous deux, merci aux caméramans, ça n'a pas été évident, merci à la technique, merci parce que vous avez été là, merci aussi à la jeunesse, vous êtes là, vous êtes présents, on veut vous entendre. Yes. Et comme j'aime bien dire, ta présence fait la différence. C'est pour nous une joie. On vous invite aussi à suivre et à poursuivre cette conférence avec nous. À Fézis, nous sommes en plein dans cette conférence. Donc n'hésitez pas à venir si vous pouvez. Vous êtes à 1h, 2h de Bordeaux. Vous avez l'occasion de venir pour pouvoir vivre encore. Peut-être c'est le jour de ta délivrance.
tu sens la pression dans ton cœur, tu ne sais pas comment faire. Tu dis, Seigneur, cet argent, je voulais en faire autre chose, mais peut-être que c'est Dieu réservé à cet argent. Prends le billet de train, prends la voiture ou autre. Viens, tu ne seras pas déçu et Dieu va te surprendre. Si tu ne peux pas te déplacer, suis les lives. Suis les lives, connecte-toi comme si tu étais dans la salle. C'est-à-dire, fais attention de toute distraction. Et concentre-toi et tu verras que tu peux recevoir aussi ton miracle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment et à ce soir. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ciao tout le monde.